Marion Maréchal Le Pen accepte de remplacer son grand-père à l'investiture du Front National pour les régionales en PACA. Mais pas question pour la députée du Vaucluse de se présenter avec Bruno Gollnisch comme le souhaitait Jean-Marie Le Pen. La petite dernière de la famille entend se débarrasser de l'image controversée de l'ancienne garde du parti d'extrême droite. Une excellente nouvelle pour le numéro 2 du parti, Florian Philippot. C'est plutôt sage de pouvoir se retirer alors que Marine Le Pen lui avait dit de toute façon qu'elle s'opposerait à sa candidature. Je trouve que c'est plutôt un acte sage. Voilà, donc effectivement tout ce qui amène de la sagesse est plutôt le bienvenu. Marine Le Pen tente par tous les moyens de dédiaboliser le Front National depuis qu'elle en a pris la tête. Une dédiabolisation souvent malmenée par le patriarche. Récemment, Jean-Marie Le Pen a réaffirmé que selon lui, les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de l'histoire.